Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc ce colis a mis 13 jours à arriver et j'ai des petites informations à vous faire part par rapport au Black Friday qui se déroule sur ce site. Donc déjà, je peux vous dire que vous avez un coupon de 10$ de réduction sur votre commande totale qui est valable du 12 au 30 novembre. Donc c'est le code, c'est 23 Black Friday 10. Je vous mets tout ça en barre de description comme d'habitude. À cela, vous pouvez cumuler des réductions. Plus vous achetez, plus vous avez des réductions. Donc je vous mettrai toutes les modalités en barre de description. Et à cela s'ajoute également que au-delà de 50$ d'achat, vous pouvez choisir deux cadeaux gratuits parmi une sélection de produits proposés. Voilà, tout ça est cumulable. Sachez que le coupon de 10$, il n'y en a que 300 de disponibles. Une seule utilisation par personne, évidemment pour laisser la place à plein de monde. Je vous mets toutes les modalités en barre de description. Et en fait, tout ça est cumulable, donc si vous faites une commande déjà de plus de 50$, vous pouvez avoir deux cadeaux gratuits, moins 10$, et en fonction du nombre de produits que vous avez dans votre panier, ça peut cumuler encore des réductions, donc c'est très valable. Voilà, donc on va voir tout de suite mon colis. J'ai trois articles. Voilà, je vais vous montrer d'abord un accessoire que je me passe plus jamais. Vous l'avez vu récemment dans un autre unboxing, c'est le scotch nano. C'est une révolution pour moi, j'utilise que ça. Quand je change de diamond painting de place, sachez que vous pouvez rincer vos morceaux et ils recollent. Moi je m'embête pas parce que en fait quand je dois pas être douée, quand je le décolle de mon mur, il se renroule sur lui-même et après impossible de le décoller, donc en fait je le change. Ça coûte 3,95€ sur le site de One Day Saving. Il me semble qu'il y a des boutiques qui sont moins chères, genre GBFKE, etc. Allez fouiner, allez taper dans la barre de recherche Scotch Nano, il faut comparer les prix. Sachez que celui-là il a 3,95€. Celui du partenaire juste avant, je cherche vite fait si j'arrive à le chercher. 2 petites minutes le temps que je cherche. Forcément je ne vais pas le trouver. Il était moins cher sur un autre site. Déjà celui que vous l'avez vu récemment, il était un petit peu moins cher de quelques centimes, mais certes, mais là en plus je pense que avec les grosses promos du Black Friday, je pense que vous pouvez faire une commande sur ce site, il n'y a pas de souci. Vous avez 2 mètres, donc à ce prix là avec ces promos là, j'ai envie de vous dire, faut pas se priver. Voilà, du coup on va voir, j'ai 2 toiles ensuite. J'ai une toile qui est dans le thème Halloween. Alors vous savez que moi j'adore le thème Halloween. Ils ont sorti des pépites cette année. Je me suis dit, ils vont pas y être l'année prochaine. Donc c'est pas grave, je prends. Et moi ça me gêne pas. Peut-être qu'au mois de janvier je me mettrai à faire du Halloween. Hein. Ça me gêne pas du tout. Et je pense que vu ce que j'ai commandé récemment là dans les partenaires, ça va être du Halloween. Donc du coup je me dis que je vais réussir à en faire quelques toiles d'Halloween cet hiver. Voilà, donc c'est une 30x70. Il y a toute une petite collection de visuels différents dans ce format là. Et donc la voici, elle est vraiment toute mignonne, toute choupie, cette petite poupée avec son chapeau citrouille et sa belle petite jupe.
Voilà, vous la voyez pas en entier, mais elle est franchement magnifique. Elle a 23 couleurs. Là, ce sont des diamants ronds. Ça colle super bien. On va voir le layout. Alors, le layout, vous voyez bien que c'est pas dessiné, c'est vraiment les symboles qui dessinent l'image. Et c'est très visible, voilà, même dans l'orange. Et je trouvais que c'était vraiment, c'était pas commun que ce format là déjà. Et ce visuel, je l'avais jamais vu nulle part ailleurs, donc c'est vraiment vraiment top. Voilà. Faire aussi de l'autre côté pour bien l'aplatir et enlever les crevasses. À être aplati. Avec, vous avez un stylet, une colle et une barquette verte. Voilà, et ce sont des sachets zippés, donc c'est vraiment top. Là, vous avez en gros la référence de la toile, donc c'est vraiment top. Moi, je rajoute toujours un petit papier avec du coup la boutique et ce que c'est, comme parce que vu que je le range à part. J'aurais quand même le... Mais là, je vais, par exemple, je vais noter grande poupée Halloween chapeau citrouille. Voilà, c'est comment je l'ai appelé sur mon carnet. Et comme ça, ça va être top. Donc, c'est les couleurs d'Halloween, évidemment. Moi, j'adore. J'adore ce style. Ça fait un peu... Non, ça fait très stylé. Ça fait très stylé, un peu Tim Burton, j'avais envie de vous dire. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc cette grande poupée d'Halloween, chapeau citrouille, elle était à 10,95€. Voilà, sur le site de One Day Saving. Voilà, je vous mets tout en barre de description, comme d'habitude. Hop, je mets ça de côté. Et on va prendre la deuxième. La deuxième, qui est complètement pliée. J'ai l'impression que ce format-là, il les plie. Alors après, c'est pas grave. C'est de la colle coulée. C'est juste que ça va mettre un peu plus de temps à se défroisser. Donc celle d'avant, la grande poupée, là c'est avec les bords, hein, du 30-70 avec les bords. Celle-ci, elle va faire 40x40 et ça va être juste l'image. Et je vous montre directement l'image. C'est celle-ci. Voilà, ça fait partie des petites poupées. Moi du coup, j'avais pris celle d'Halloween que j'ai terminée, que vous verrez bientôt en revue. Et moi j'ai pris celle-ci. Et là c'est une vraie 40x40. Hop. Alors pas très très fin, ça se froisse facilement, donc n'hésitez pas à prendre votre temps à replacer. Les bouts. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, je vais replacer un peu le film ici. Oh.
Hop, voilà. Alors, je pense qu'on verra bien les détails. Alors, je vous ai pas testé la colle, mais la colle, ça colle super bien. Je vous montre l'impression des symboles. Ça m'a l'air plutôt bien. Symbole noir, symbole blanc. Non, franchement, c'est nickel. Les papiers qui tombent, c'est pas grave. Du coup, stylet colle barquette avec une pince. Voilà. Et les sachets sont. Les sachets. C'est en sachet. Oh! Les diamants sont en sachet. Il y a un gros paquet de 939. Voilà. Alors c'est de l'acrylique, hein. Voilà. Donc ceux qui ont peur du 939, ben voilà. 939, bam. Après il y a du 823. Donc c'est un bleu foncé. Elle est un peu plus foncée que les autres, hein, de cette collection, mais c'est pas grave. 336, encore un bleu. Ensuite, il y a du bleu. 311, 312. Voilà, un peu plus clair. Ensuite, il y a du gris, 413. Il y a d'autres gris bleus. Voilà. Je vous fais du plus foncé au plus clair, hein. Ne vous affolez pas. Là. Et puis après, il y a du violet très pâle. J'ai l'impression qu'il y a un sachet d'ouvert. Ah oui, un sachet d'ouvert. Bon, du coup, il y a ces petits violets taupes. Celui-ci est ouvert. Après, vous avez énormément de vieux roses. De vieux roses un peu beige. Oui, c'est carrément vidé. Heureusement, il n'y en a qu'un qui s'est vidé. Et du 154, voilà. Il n'y a pas de AB, hein, parce que vu que c'est du diamant carré, il n'y a pas de AB. Les diamants AB, c'est que sur du rond. Là, j'avais oublié un petit violet. Et là, il y a deux petits rouges. Voilà, et ils ont rajouté, ils n'avaient plus d'étiquette, ils ont rajouté à la main. Et là, en fait, vous voyez, il y a le 948 qui s'est complètement vidé dans le sachet. Ici. Donc, du coup, je vais m'amuser à tous aller les piocher et à les ranger. Alors, n'hésitez pas à ce genre de toile. N'hésitez pas à checker le numéro de la couleur. La DMC est ici, ils disent qu'il y en a 12 dans le sachet. Vous voyez bien comme moi qu'il y en a plus que 12. Donc ce qu'il y a ici, c'est le minimum ce qu'il y a dans le sachet. Sauf que vous voyez qu'en réel, il y en a plus. Et en fait, ce qui est inscrit dans le sachet, c'est toujours plus que ce qui est inscrit sur la toile. Là, par exemple, c'est écrit 12. Sur la toile, c'est écrit 12 sur le sachet, mais vous en avez beaucoup plus. Oh, je ne vais pas y arriver. Plus dans le sachet. Par exemple, le 939, on va pas s'amuser. J'ai le hockey, excusez-moi. 939, on va pas s'amuser à les compter, hein, on est d'accord. 939, c'est indiqué 8454 et j'ai 8876 sur l'étiquette, sachant que vous en avez beaucoup plus. Voilà. Donc là, je vais tout checker et normalement,
maintenant c'est bon. Je vous mettrai tout en barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à One Day Saving. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas collaboré ensemble. Merci à eux. Oh, je suis désolée, il y a un reflet, il y a un vieux reflet. Là. Merci encore à One Day Saving d'être revenu vers moi pour cette collaboration. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas travaillé ensemble. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!